Salut tout le monde, c'est 52, on se retrouve sur Final Fantasy 3 pour réaliser la Good Ending, la The End, enfin tous les noms sont bons. Pour éviter de faire comme moi ce que j'ai fait, il faut réaliser un certain nombre d'étapes. Et pour cela, il faut faire une new game. Hein. Vous ne pouvez pas reprendre à partir de la nuit 5 ou quoi que ce soit. Vous devez faire une new game et atteindre la nuit 2. La nuit 1, il ne se passe absolument rien. Donc voilà, là, on a le petit journal, la nuit 1 qui s'affiche. Et s'il se passe rien dans la nuit 1, c'est tout simplement parce qu'en fait, Springtrap n'est pas présent. Donc on a fait à peu près les liaisons entre les salles. Donc c'est pas très important ça. Et donc là vraiment le moment intéressant va commencer maintenant. Donc dans ce mini-jeu, vous jouez, alors c'est pas les toys, comme moi je le pensais auparavant, je pensais que c'était des toys vu la couleur par exemple de Bounie. Là c'est bien les holds, hein, c'est... Faites pas la même erreur que moi. Donc là, vous suivez pas le petit Dark Freddy, Shadow Freddy, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est Purple Guy dans Golden Freddy, donc on le représente comme ça. Vous devez aller dans ce couloir-là et vous voyez les indications à faire pendant la deuxième nuit. Donc on a bébé double clic, oui. Et là, on a des touches qui représentent les touches de la borne d'arcade. Et ensuite, vous devrez retourner chez Balloon Boy, mais bon, c'est pas représenté. Donc voilà, donc... C'est vraiment dans ce couloir où vous voyez les étapes à faire pendant la prochaine nuit pour réaliser la Good Ending. Et donc là maintenant nous allons follow me, donc nous allons suivre le petit Dark Freddy. Moi je préfère l'appeler Dark Freddy, c'est plus stylé, c'est plus dark. Bon allez. Aussi ça moi c'est des chaussons, c'est pas des rats. Non je déconne, c'est des rats. Enfin je pense hein. En même temps, c'est tout à fait logique. La pizzeria est abandonnée, elle est fermée depuis... Là, ça doit se dérouler pendant les 30 ans qui sont où la pizzeria est fermée. Donc voilà. Bon, je me trompe de touche. On va là-haut. Et là, tu peux pas faire comme dans le 1 où tu sprint, Freddy, co. Il y a beaucoup plus de monde pour aller venir buter dans mon bureau, hein, sans déconner. Voilà, donc là, nous sommes deuxième nuit. Et donc là, c'est vraiment à ce moment-là que les étapes commencent. Pour commencer, vous devez d'abord appuyer sur le bouton. Ceci tout à fait, si c'est pas vrai. Hein, c'est... Voilà, donc on a Springtrap, c'est bon, ils l'ont découvert, il est là. Ok, mais bon, on va pas jouer avec lui pour le moment, on va jouer avec Balloon Boy. Donc, vous êtes dans ce mini-jeu, qui est le mini-jeu de Balloon Boy. Récupérez les ballons, hein, moi je pense... Enfin... Moi je pense que ça peut servir, il y en a qui disent que ça sert à rien, c'est pas utile. Mais bon on sait jamais, donc moi comme ça vous aurez tous les ballons collectés. Voilà, donc là il nous reste un ballon à collecter. Et ce ballon n'est pas présent dans cette partie du mini-jeu. Mais elle est présente ici. Vous allez voir, là bébé est en train de tomber dans le néant de l'oubli. Parce que personne ne l'aime. Donc voilà. Alors là... On voit, moi personnellement, je vois un Baobab et trois Balloon Boy qui sont en train de pleurer. Donc je pense que c'est des âmes d'enfants. Justement représentées en forme de Balloon Boy. Et voici le dernier ballon. La couleur, vous en foutez, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, après je regarde ma feuille. La borne d'arcade. Donc, voilà, tu me donnes la main. Vous voyez, c'est ces touches-là qu'il faut aller. Vous faites celle d'en haut, celle d'en bas, celle d'en haut, celle d'en bas. Et vous voici avec Mangle. Voilà, vous récupérez les parties de Mangle.
Oh merde. Lui, il faut vraiment pas qu'il vous attrape. Hein, parce que si jamais il vous attrape, ça vous fait planter votre jeu. Bon, je sais pas. Je me suis déjà fait avoir, donc c'est peut-être pour ça que parfois mon jeu il quitte. Alors, ensuite, où est-ce qu'il faut aller? Oui, il fallait par là ou. Je crois qu'il allait me choper le mec. Et là, vous lui dites au revoir. Parce qu'il faut aller ici, pas vers la exit. Vous allez dans le vide. Donc là, vous tombez en enfer, pas dans le néant. Et donc voilà. Alors là, il y a cette image très bizarre. Où certains voient Puppette. Donc moi aussi, je suis du même avis. Hein. Là, il y a la tête, le corps. Là, les larmes qui représentent les parties violettes de son visage. Et là, ses jambes. Mais bon, moi personnellement, ici, je peux voir aussi le corps de Purple Guy. Sous ce sprite. Donc, qui apparaît à votre écran maintenant. Donc, vous allez là. Et grâce au ballon que vous avez récolté avec le mini-jeu de bébé, vous avez ces petits ballons qui sont apparus. Vous montez dessus, bien évidemment. Allez, ce qu'elle fait, c'est abusé. Enfin, qu'elle, moi je dis que c'est une fille. Hein, à cause de ses couleurs roses et blanches. Il y en a qui disent que c'est un garçon. Et vous récupérez ce petit gâteau. Une fois que c'est fait, vous retournez chez Balloon Boy. Voilà. Vous retournez chez Balloon Boy. Et... Bon, je récupère encore une fois moi les ballons. Je préfère toujours les récupérer, on sait jamais. Non, bon tant pis. Je vais pas trop perdre de temps. Vous sautez dans le vide. Et cette fois-ci, vous n'allez pas dans le néant, mais vous allez sur des petits ballons. Ouais. Et vous sautez. Allez, fais un rush. Ouh, ça passe. Ok. Comme vous avez le gâteau, vous avez l'enfant. Et vous lui apportez le gâteau. Et là, vous venez de sauver une âme. Maintenant, il faut réaliser la nuit 2, c'est génial. Ok, donc maintenant que Freddy est mort, autour de Bunny. Donc voilà, on joue le petit Bunny, que je disais que c'était Toy Bunny à cause de sa couleur. Avant que je remarque, en fait, c'était dans la première pizzeria. Et donc c'était pas possible puisqu'ils étaient déjà démantelés. Enfin, première pizzeria, celle du 1. Et donc voilà, là on a l'image avec les cupcakes. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir récupérer 4 cupcakes qui sont dispersés dans la map. Allez, on est tout proche, hein. On va bientôt l'attraper. Hein. On va le toucher du doigt. On va faire comme ça. On va le toucher, voilà. Et en fait, je suis bloqué contre la table. Et en fait, on va s'assurer que... On va mourir. Vite, je vais... Oh, je t'ai touché de mes oreilles. Je me sens toujours de touche. Bon alors, voyons voir si t'es plus intelligent que ton pote. Toujours aussi con. Ah là. Troisième nuit. Donc troisième nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut récupérer les cupcakes. Regardez juste les caméras Wells. Où ils sont. Donc, les cupcakes. Ils sont caméras 2, 3, 4 et 6. Donc. Celle du 2, là. Celle du 3, là. Celle du 4, là. Et celle du 6. Tab, Swing Trap, il est là. Mais on lui dit au revoir. Est-ce qu'on se retrouve
dans le mini-jeu de Toshika. Ou de Chica, comme vous voulez. Mais bon, c'est Toshika puisqu'un scandale en bikini rose. Alors, moi, je récupère les gâteaux. Voilà. Et donc, vous n'allez pas par là. Et vous allez ici. Vous descendez. Vous avez deux gamins qui pleurent. Vous en foutez. Vous, ce qui vous intéresse, c'est sauter ici. Voilà, vous allez là. Donc vous sautez ici. Je refais la scène, vous êtes là. Vous sautez, je me trompe là. Vous collez vraiment au mur, vous restez appuyé sur A. Vous appuyez sur W et vous arrivez ici. Vous appuyez sur A. Vous allez sur les ballons. Et vous apportez les gâteaux. Et vous venez de sauver une deuxième âme. Maintenant je lâche les touches W et tout ça. Parce qu'il faut réaliser la nuit 3 maintenant. Si je me trompe pas. Allez dis-moi. Non, c'est nuit 4 après. Et la nuit vient de se terminer. Ah. Ah, on va arriver à la nuit que j'aime le moins. Puis celle que j'aime encore moins. Mais bon. Ok. On joue à présent Chica. Et Chica, ton devoir est d'aller dans le conduit gauche. Enfin, dans le conduit. Dans le couloir gauche. Oh là là, c'est compliqué tous ces noms. Oui. Je me trompe toujours des touches. Voilà, donc là, on a une inscription très étrange. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Et sans déconner, cette partie-là, c'est celle que je vais moins aimer. Car c'est vraiment hard à faire. Alors, maintenant, on le suit. Je me mange toujours ce pied de porte. Ce pied de porte, ce pied de bureau. Oh, il faut vite que je termine, hein, parce que là, je crois que c'est, la tension commence à monter, là. Enfin, surtout le stress, donc j'ai un peu de mal. Et donc, comme t'es aussi conne que les autres, tu meurs. Sans déconner. Par contre, pour aller dans mon bureau, comme Freddy, c'est plus la même histoire. Hein. Ça sprint. Alors Foxy, n'en parlons pas. Donc voilà, donc là vous n'allez pas en caméra. Vous voyez, alors faut pas que je m'en trompe au niveau. Donc c'est 3. Alors c'est ici, hein. C'est. Ouais, c'est là. C'est le pavé qui est là. Donc c'est 3, 9, 5, 2, 4 et 8. Et donc là, selon moi, on se retrouve dans la toute première pizzeria Fredbear's Family Diner. Avec. Golden Freddy, celui qu'on joue, et Springtrap, qui devait être sûrement Golden Bunny, vu que son coéquipier s'appelle comme ça. Alors, voyons voir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment hard. Alors, où est-ce qu'il faut que j'arrive après? Il faut que je descende de deux plateaux. Là, je vais là. Et ensuite, je descends ici. Pour aller au bout et redescendre. Ensuite, on passe de plateau sur la droite. On glitch et on va ici. Ensuite, on prend un peu d'élan. Pour aller là. Ensuite, vous allez à peu près ici. Vous passez par le glitch. Ok. Vous passez par là.
vous glitchez. Oh Dieu, ces pierres ont été aspirées par le sol. Vous allez là, vous sautez. Lâche-moi, apesanteur. Vous allez là. Et là, vous sautez. Vous allez là. Et vous voyez une nouvelle amour d'enfant que vous venez de sauver. C'est le troisième. Et donc voilà, c'est bon. Donc c'est vraiment pour ça que c'était hard. Il fallait passer entre tous les plateformes. Alors il y en a peut-être une qu'on a pas vue. Donc voilà, donc petite erreur de ma part, un petit bug. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc voilà, on se retrouve nuit 4. Vague Springtrap à gérer. Alors je vais vous montrer un petit moment là maintenant. Auquel j'ai refait le mini-jeu pour m'assurer que ça s'était bien déroulé à cause du bug qui m'a lâché en pleine partie. Donc c'était vraiment pour m'assurer si je l'avais fait. Et oui, et j'ai même découvert quelque chose, donc c'est l'extrait auquel vous êtes en train de voir. Entre celle où il y a le gamin où il faut lui apporter le ballon, le gâteau, et celle avec l'exit, entre deux il y a une salle où il n'y a que deux enfants parmi les trois. Et donc c'est vraiment très troublant, ça veut peut-être dire qu'en fait, parmi tous les enfants, celui qu'on devait sauver, il était mort et qu'il était en moins par rapport au mini-jeu. Ah oui, ce moment de soulagement, quand tu sais que t'as terminé la nuit que t'aimes le moins, et que t'as celle que t'aimes encore moins après. Oh là là. Allez, cette fois-ci, nous suivons Foxy. Donc voilà, là, nous avons Shadow Bonnie. Et ce Shadow Bonnie semble avoir une vraie importance dans l'histoire. Peut-être, selon moi, je dirais que c'est peut-être quelque sorte l'ombre de Springtrap. Tout à fait possible. Springtrap est un lapin. Et qu'il n'est plus actif depuis un certain temps, cherchant peut-être en vengeance. Mais bon, comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus. J'essaye de garder le mieux pour l'épisode de l'histoire. Et évitez de vous spoiler. Maintenant, Rush! Sombre merde! Et maintenant que nous sommes 5, il y a en fait deux étapes à faire. On nous en montre qu'une seule, mais il y en a deux. Une statue de Toy Bonnie, oui c'est Toy Bonnie, est apparue. Double-cliquez dessus. Et vous vous retrouvez dans ce jeu. Vraiment. Et avec. Alors, c'est avec S. Vous devez aller ici. Pas de problème. Bien sûr. Vous ne pouvez pas. Et donc pour cela, vous devez aller sur le mini-jeu de Balloon Boy. Alors si j'y arrive. Ah d'accord, donc lui il peut carrément voler.
Et vous êtes ici à présent, où t'es porté sur ce fameux gamin pour lui apporter le gâteau. Et voilà. Et c'est le quatrième si je me trompe pas. Vous devez aller en caméra, alors c'est pas 4, c'est 3. Et aller sur ce fameux dessin. Double-cliquez dessus. Donc là, vous avez un gâteau. Vous jouez Puppette. Et selon moi... Non, je vais le garder. Je vais le garder. Donc voilà, on a 3 gâteaux. Et vous devez apporter le quatrième. À cet enfant, seul derrière la table. Avec Freddy, Chica, Foxy et Bunny. Et là... Vous venez de tous les sauver. Et les ballons qui les représentent s'envolent. Et enfin, ils sont libres. Mais évidemment, rien ne se passe comme d'habitude. Et il va se passer un événement qui se déroulera uniquement une fois la nuit 5 terminée. Ah là 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 là, le moment que j'aime un peu moins. Horrible! Oh putain! Oh non! Oh oui! Oh oui! Oh oui, enfin! Enfin, après une heure de souffrance intensive! Oh oui, oh oui, 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 enfin, oui, je sens plus la peur en moi, oui, oh là 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 là, putain, oh, oh là 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 là, oh là là, ça fait une bonne heure là que j'ai commencé la vidéo, donc là, bon, j'ai coupé un certain gameplay, je vous ai juste montré celle auquel je gagnais, ok, il se passe rien dans, il se passe rien, on sait jamais, il y avait peut-être une petite inscription, mais sans déconner. Je suis mort, je sais pas, moi, une dizaine de fois entre la nuit 4 et la nuit 10. Oh putain, entre la nuit 4 et la nuit 5, une dizaine de fois. T'imagines toi la nuit 10. Putain, je joue pas au jeu. Non, je déconne, je jouerais, mais ça serait vraiment chaud. Donc voilà, là à présent, on se retrouve ici pour l'affrontement final. Et donc là, ce serait effectivement les âmes des 4 enfants qu'on a sauvés. Et nous étant la cinquième. Et nous allons
Alors, on va vérifier hein, comme ça, mais bon, normalement, on peut pas. Enfin, on peut pas sortir, ouais. Eux aussi, ils nous poussent. Voilà. Nous allons voir à nouveau la scène d'IDC Springtrap. Et enfin, les enfants reposent en paix, ils sont retournés là où ils devaient être, au paradis. Leur tueur est mort, ils ont enfin leur vengeance, ils sont libres de quitter les costumes qu'ils hantaient. Et voilà. Tout simplement. Au revoir Freddy, au revoir Foxy, au revoir Chica, au revoir Boonie. Et aussi le cinquième corps qui est derrière, auquel je pense que c'est le collègue de Freddy. Mais bon. Voilà, donc là j'ai réalisé la bad ending, j'ai réalisé la good ending, et une nightmare en mode on va dire normal. Et maintenant nous avons en présent tous les animatroniques, sauf évidemment Bengal qui n'apparaît pas vraiment comme un animatronique. Nous avons les mini-jeux, nous avons les jumpscares. Et nous avons les cheats, Fast Night, Radar, Agressive, No Error. Ça peut s'activer. Et normalement, on gagne la quatrième étoile en faisant la nuit Nightmare avec Agressive. Donc, la prochaine vidéo sur Five Nights at Freddy's 3 risque d'être un peu plus longtemps. Je vois encore si je peux faire un live effectivement sur cette Nightmare en mode Agressive. Je vais le désactiver hein, parce que bon, voilà. Et donc, comme ça, vous pourrez voir en même temps, il y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais bon. Après, je vous préviens tout de suite, c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore confirmé. Donc voilà, on essaiera de terminer cette nuit Nightmare en mode agressif. Mode agressif, désolé. Réaliser la dernière étoile. Et enfin, nous aurons terminé le jeu ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que malgré les petites coupures, que ça vous aura quelque sorte aidé à réaliser la good ending sur Five Nights at Freddy's 3. Et sur ce, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo. Just like